votre soeur et maman, Tantine, Claudette. Je pense que beaucoup savent qu'on était déjà engagés dans le Seigneur par rapport à notre nation et par rapport même au monde, dans l'Évangile. Donc, je lance un appel aujourd'hui à la diaspora centrafricaine, surtout les femmes. Je pense vraiment qu'en tant que mère, en tant que centrafricaine, nous devons réagir. Nous, nous sommes assez tus. Nous ne pouvons pas, donner main forte, prêter main forte à ceux qui viennent tuer, piller, détruire, violer. Celui qui ne parle pas, celui qui ne réagit pas, c'est tout simplement quelqu'un qui donne la force au mal de continuer. Et nous ne pouvons pas croiser les bras en voyant nos enfants, nos frères, nos sœurs violés, tués, massacrés, humiliés. Nous devons faire quelque chose, mes sœurs. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. C'est pour ça que je lance cet appel. Levez-vous, debout. Tu es assez assise dans la poussière, assez assise dans ton divan, dans ton canapé, en train de regarder la télé, de penser à autre chose et de dire ce pays-là, mais quel ce pays-là? Ce pays, c'est le tien. Ce pays-là, comme tu dis là, c'est le tien. Aujourd'hui, c'est des Soudanais, c'est des Tchadiens qui sont dans notre nation et qui nous empêchent de parler, qui nous empêchent de bouger, qui nous empêchent de travailler. Réagis, Centrafricaine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas complice de la mort, mais tu es une femme qui donne la vie. Arrête! Arrête de ne rien faire. Tu fais partie des femmes qui doivent se lever. Alors, rejoins-nous. Rejoins-nous. Lève-toi. Lève-toi et réagis. Nous t'attendons pour une prochaine... Pour un prochain rassemblement, je pense qu'on enverrait des mails, des SMS pour que vous nous retrouviez pour un grand moment de prière, pour que nous soyons fortifiés pour faire ce qu'il faut faire. Parce que l'aide réelle dans notre pays, l'aide là, ça va venir de nous qui sommes à l'extérieur. Donc il faut réagir et c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut réagir, c'est pas demain. Que Dieu vous bénisse.